coucou mes choubidous. Alors, il y en a plus d'une qui vont être choquées, je vous le dis. Hein. Parce que tout simplement, j'étais action. Mais pas pour acheter des choses, des décos et tout ça. Hein. Vraiment pour acheter des choses utiles dont j'ai besoin. Notamment, j'ai acheté une chose et malheureusement, je vais la donner. C'est une grande moustiquaire immense. Mais malheureusement, elle est trop grande pour ma fenêtre. Elle coûte 10 euros quand même. Alors, je vais quand même voir si je peux y aller demain pour me faire échanger. Je crois que j'ai le ticket. Alors, on commence, d'accord? Sachant que c'est des choses utiles. Comme je vous ai dit, si j'y vais, c'est seulement pour des choses utiles. Je n'irai plus tous les mois, je n'irai plus toutes les semaines. Voilà. Donc, j'ai acheté ceci que j'achète tous les ans. C'est 3,40 euros. En fait, ici, là, vous mettez ça au congélateur. Et en fait, après, quand il fait très chaud, quand il va y avoir la canicule, eh bien, vous lui mettez de l'eau et l'eau est fraîche tout le temps pendant au moins 2-3 heures. Même une après-midi parce que c'est congelé, donc c'est toujours froid. Voilà, donc ça, c'est très, très bien. J'en achète tout le temps, tous les ans, parce qu'après, ça devient, même si c'est, je lui donne que de l'eau minérale, ça devient calcaire. Voilà, donc 3,40 euros, franchement, je vous le recommande. Et je vais vous montrer. Ouais, je vais vous montrer. Hein. Donc, il faut savoir que j'ai laissé les affaires traîner pendant au moins une semaine dans le sac pour qu'elles se reposent bien, que je n'ai pas à les laver ni les désinfecter. Alors, je vous montre. Voilà, tout simplement ceci. Ça, vous le mettez au congélateur, c'est vraiment génial. Vous n'avez pas besoin de mettre d'eau, hein. Vous le mettez au congélateur, dedans il y a des petites pellicules, des petites particules, je pense qu'ils gardent comme des petits glaçons. Et puis voilà, et vous lui donnez comme ceci. Mais moi, comme elle n'aime pas trop, alors je lui donne juste ça, je ne lui donne pas ça. Voilà, ça c'est 3,40 euros. Alors j'ai acheté des moustiquaires, parce que moi... j'ai voulu acheter une grande moustiquaire malheureusement, mais ça par contre c'est très compliqué à poser. Alors, je vous montre. Contrairement à d'habitude, je ne vous montre jamais, là je vous montre tout. Voilà, je l'ouvre. En fait, c'est tout simplement, je vais vous montrer. Il faut le prendre noir, hein. Si vous ne le prenez pas noir, blanc ça fait moche. Noir on ne voit rien. Hein. Vous voyez, c'est tout simplement du tulle, voilà, comme ceci. J'ai payé 87 centimes. J'en ai acheté plein parce que c'est vraiment très utile. Et là, vous avez un auto-agrippant. Et par contre, il faut faire toute la fenêtre. Alors ça, c'est embêtant de faire toute la fenêtre. Voilà, c'est mon fils qui me l'a fait. Il m'a interdit. De toute façon, j'ai plus le droit à cause de mes vertiges d'aller sur un escabeau. Donc, voilà. Mais je sais qu'il y en a qui vont dire... Mais comme je vous ai dit... J'irai que utile, j'achèterai que utile. Et là, c'est utile. Excusez-moi du bruit. Voilà, j'ai quand même tout défoncé. Donc, j'en ai pris pour 87 centimes. J'en ai pris 2, j'en ai pris 3. J'en ai pris 6, je crois. 4, 5. Voilà, j'en ai pris 5. Vous vous rendez compte? Ça, pareil, j'ai regardé partout. Ça n'existe pas, Made in France. Je ne sais pas, ça doit être Made in Chine, hein, c'est clair. Hein. Ouais. Mais ça, 75 centimes avec en plus le manche, franchement, qui dit mieux quoi, j'ai jamais vu moins cher. Donc voilà, 75 centimes, vous en avez 3 et vous avez le... Franchement, moi j'hésite pas une seconde quoi. Ensuite, mes sacs poubelles, bah oui, 1,59€, mais ça c'est indispensable, j'en ai pris 2, 3. Je sais pas si vous vous rappelez beaucoup de c'était moqué de moi parce que j'en avais acheté plein. Et bien croyez-moi que pendant le confinement, je les ai tous utilisés, donc j'en ai plus. J'en avais plein, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand je passais à la télé sur France 2, sur l'émission Tout compte fait, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait ça qui était tombé, et du coup il y en avait 3. Et du coup, c'est l'asthme encore, excusez-moi. Voilà, et du coup j'en ai acheté un et je l'ai payé 1,38€. Ben vous voyez, non, pas une équipe qui gagne, j'en ai 7. Mon fils, il m'a dit 86 centimes, maman. Alors là, j'ai acheté ça, 98 centimes. J'ai adoré, je l'ai découvert sur Les Secrets de Nana. Vous allez voir, elle est formidable. Les Secrets de Nana, elle est incroyable. Elle va dans tous les magasins, tous les matins. Elle fait tous les magasins, elle fait plein d'actions. Dans la matinée, elle peut en faire 3. Elle peut faire un Lidl, elle va tous les jours pratiquement. Donc si vous voulez savoir ce qu'il y a, ben, allez voir sa chaîne, c'est Les Secrets de Nana. Franchement, elle est incroyable. Mais vraiment, elle est incroyable. Hein. Moi, pour moi, elle fait un métier. Pour moi, c'est un métier. Parce que comme elle le fait, c'est incroyable. Voilà, donc, et elle vous montre tout, et elle vous explique tout. Voilà, et du coup, donc c'est Les Secrets de Nana. Voilà, et du coup, ça,
bah, 98 centimes, je l'avais vu donc sur son truc, et je me suis dit, tiens, bah, je vais le prendre quand même, malgré tout. Là, je me dis, je vais essayer. C'est du creamy, la crème au fromage, voilà, crème fromagée, des pâtes. J'ai payé ça 80 centimes, je me dis, après tout. En plus, mon fils, il avait besoin de choses, il s'achetait du chocolat, il s'achetait des chewing-gums, il s'achetait plein de petits trucs, des glaçons. Ça, je ne voulais pas montrer, hein, parce qu'il l'a emmené, hein. Donc j'ai pris ceci, c'est du déodorant, vous voyez, c'est utile ce que j'achète, ce n'est pas du tout, peut-être ça, mais ça je me dis je vais en avoir besoin, parce que si je change de service, ben, ça peut toujours servir, et franchement 80 centimes, et je l'ai trouvé magnifique, avec les paillettes illuminées là, j'ai trouvé sublime, il n'y en avait plus qu'une. Alors ça, ben, en été, il fait très chaud, et moi... même si j'ai les bons bébés, et ben moi c'est sur mes vitres que je mets ça. Et là, en l'occurrence, je vais mettre ça sur mes plantes. 79 centimes, qui dit mieux. Hein. Ça, c'est une petite assiette. Ben, c'est pour donner à manger à Ivy, parce qu'Ivy, elle ne veut plus manger dans ses gamelles que j'ai achetées, donc je vais m'en servir pour moi. Parce que c'est des petits ramequins qui sont comme ça. À la base, ce n'était pas pour les animaux. Hein. Et du coup, ça, eh bien, je sais pas, il y a quelqu'un qui me met... Bisous, je ne sais pas qui c'est. Et du coup, ça, eh bien, je lui mets à manger dedans. Ensuite, j'ai pris un deuxième verre. Ah, le v'là. Je me disais, wow, j'ai pris un deuxième verre. J'ai pris des petites souris à 80 centimes les deux. Je trouvais c'est trop mignon. Et je vous ai attendu hein, pour ouvrir. Hein. Mais il y en a plein qui vont me dire, ouais, mais Sybille, t'as dit n'importe quoi. Non, j'ai fait très attention. Là, j'ai acheté du papier pour le four, 80 centimes. Tiens, j'ai acheté une bouteille de coca, là, 81 centimes, 69 centimes. Et ça, une petite boîte, je les voulais, il n'y en avait plus. Il n'y avait plus de boîte. Franchement, il y avait que celle-là, hein, 49 centimes. Donc, j'en ai pris une petite, parce que je peux mettre des radis dedans, voilà. Donc, c'est bien pratique. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai mon ticket. Et j'ai mon ticket. Je mets mes lunettes. J'en ai eu, parce que j'ai acheté beaucoup de choses pour mon fils, hein, pour 46 euros. Et ça m'a fait super plaisir de lui acheter plein de choses. Voilà, donc tout ça, ben, je vais le stocker, je vais le ranger. Et je suis allée à New Yorker et j'ai craqué. Combien j'ai payé? J'ai payé ça 4,99€ quand même. Hein. Alors, je vais vous montrer. Vous savez bien que je suis dans les fleurs jusqu'au cou en ce moment. Hein. Et plus que ça. Hein. Toute ma panoplie, c'est que des fleurs. Voilà, et eh bien, regardez. Je me dis, allez, Sybille, comme tu veux avoir un masque, au moins, mets quelque chose de joli. Voilà. Et voilà. Et je l'ai acheté à New Yorker, 5 euros par contre. Mais franchement, je trouve ça trop joli. Voilà. Eh bien, écoutez, mes choubidous, je sais que vous allez être choqués. Ça, c'est certain. Mais comme je vous ai dit, je veux acheter très éco et responsable. Pour le moment... c'est compliqué parce que les choses sont trop chères, donc je peux pas, mais j'aimerais bien. Comme dit Magali, Magali The Mouse, vous pouvez aller vous abonner à sa chaîne si vous la connaissez pas. Magali, elle me dit, oui, mais Sybille, tu vois, tu veux acheter pas cher, mais regarde. Je dis, ouais, elle a raison. D'un autre côté, qu'est-ce que je vais aller acheter un truc à 3,30€ comme j'ai acheté l'autre fois, alors que là, c'est à la lavande. Je suis même pas sûre que ce soit chinois. Hein. Je me demande si c'est pas hollandais ou... Attendez. Du Nil. Ben, si vous voyez, tant mieux pour vous. Moi, je vois rien. Je ne vois rien. Et si je le mets de ce côté-là, peut-être de ce côté-là, peu importe, l'un ou l'autre. C'est marqué là. Mais je ne vois pas. En tout cas, voilà. Moi, je me dis, j'ai acheté que des choses utiles. Comme vous pouvez le constater. Ça, c'est super important. 87 centimes, je vous assure, allez-y. Hein. Mais par contre, il faut monter sur un escabeau et mettre partout l'auto-agrippant là. Et après, il faut mettre la moustiquaire. Donc, ça craint un peu le pâté, quoi. C'est un peu compliqué. Sur ce, mes choubidous, bah, je vous aime. Je vais la mettre maintenant parce que c'est lundi, je vais la mettre. Comment vous dire tout simplement... Voilà, j'espère que vous n'allez pas m'en tenir rigueur, mais comme je vous ai dit, j'allais acheter utile.
Bon, Sybille, tais-toi, ça fait 10 fois que tu le dis ou tu nous saoules. Voilà. Sur ce, je vous embrasse. Je vous dis I love you. Je l'ai dit, je te quiero, te amo. Je suis maquillée avec une palette que j'ai rangée de chez Make Up Revolution. Je l'avais déjà, mais comme ça se garde un an et que c'est pas des palettes qui coûtent très cher, donc je me suis dit, je vais en racheter une autre parce que j'aime beaucoup ces couleurs-là. Mais par contre, mais peut-être je pourrais vous la montrer. Attendez, je vais la chercher. Vous m'attendez, hein, je ferai aucun montage, hein, je ne vous gâche pas. Hein. Aucun montage. Aucun. Voilà. C'est celle-ci. C'est Foil Frenzy. Elle est magnifique. Elle est sublime. Je me suis maquillée avec celui-ci, là, celui-ci et celui-ci. Voilà. Voilà, ben sur ce, je vous embrasse très fort, je vous fais des milliards de bisous. Et puis, Sybille Funny Girl. It's me, Sybille Funny Girl. Je vous embrasse. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Bisous, bye bye, ciao.